Aussi vrai que la terre est la terre. Aussi vrai que les ancêtres sont les ancêtres. Aussi vrai que ce jour est ce jour. Aussi vrai que le vent est le vent. Aussi vrai que le feu est le feu. Aussi vrai que le caméléon change toujours de paille, ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Aussi vrai que personne ne peut fermer la porte aux fumées. Personne sur cette terre ni au ciel ne peut fermer ta porte. Personne. Personne sur cette terre. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Et les ancêtres sont les ancêtres. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Aussi vrai que personne ne peut empêcher l'eau de rentrer dans une noix de coco. Alors personne sur cette terre ni au ciel ne peut empêcher ta vie. Oh, mes femmes de valeur, ta vie dépend de toi. Tu es le maître de ton destin. Tu es le conducteur de ta vie. Ta vie ne dépend pas de ton pasteur. Ta vie ne dépend pas de ton bokono. Ta vie ne dépend pas de moi. Non, ta vie dépend de toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi pour stopper les difficultés qui te dérangent. Lève-toi pour comprendre les secrets naturels. Lève-toi pour prendre le contrôle de ta vie. Tu es le maître de ton destin. Tu es le maître de ton destin. Il ne sert à rien d'aller à l'église matin, midi, soir, chaque jour pour dire que je cherche la paix, pour dire que je cherche la vérité, pour dire que je cherche la solution pour mes difficultés. Non. Non. Dieu t'a donné de force. Dieu t'a donné les secrets. Alors, utilise tes secrets pour s'en sortir. Même les pasteurs, je dis bien, même les pasteurs se cherchent. Même les pasteurs se cherchent. Alors toi, fidèle, révèle-toi. Réveille-toi pour connaître les astuces. Réveille-toi pour connaître ce que Dieu le Tout-Puissant nous a donné afin de trouver solution à nos vies. Oh, mes femmes de valeur, la purification est importante. La personne qui ne se purifie pas est en danger. Est en danger. La purification, c'est nettoyer son corps. C'est nettoyer, c'est blabla, les choses négatives, les pensées négatives. Oui, la purification, c'est le déblocage, c'est le désenvoûtement. Par semaine, vous devez vous purifier au moins trois fois. Au moins trois fois. Après un rapport sexuel, tu dois te purifier. C'est important. Au moment du rapport sexuel, c'est l'échange des pensées, c'est l'échange des esprits. Oui, quand nous rentrons dans le monde spirituel, c'est ça, c'est l'échange des esprits. C'est-à-dire quoi? Si ta femme a des esprits négatifs, alors tu prends ça. Si ta copine, vous savez, un homme qui veut vraiment prospérer ne doit pas coucher avec toutes les femmes. Non, non. Il y a des femmes, quand tu couches avec elles, ta lumière va couper, ton étoile va couper. C'est de ça il s'agit. Pareil pour les hommes aussi. Quand tu es femme et tu couches avec des hommes en désordre, c'est pas normal. Réveillons-nous. Et pour éviter ça, c'est la purification. Quand tu finis ton rapport sexuel, tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Nous devons comprendre ça. La purification est la clé pour trouver la paix. Est la clé pour s'en sortir. Est la clé pour trouver l'argent. La purification ouvre les portes. La purification, oui, ouvre les portes du succès, la réussite. Toi, ta vie est bloquée. Tout est bloqué. Pour manger, c'est difficile. Pour aller au travail, c'est difficile. Même tu es dans le chômage, mon frère, ma soeur, l'humanité, faut te purifier. Nos papas, nos grands-papas, quand ils font rapport sexuel, avant d'aller dans leur chambre, ils se purifient d'abord. Allez demander pourquoi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous refusons de faire ça. Ta vie dépend de toi. Ta vie dépend de toi. Ta vie ne dépend pas de ton pasteur. Alors lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ce secret, c'est un secret puissant. Puissant. On a besoin de quoi? Ail. Une bonne quantité d'ail et les sels. Si tu as gros sel, c'est bon. Si tu as sel de cuisine, c'est bon.
Si tu es une femme, tu prends 7 citrons. Si tu es un homme, tu prends 9 citrons. Alors, vous réduisez l'ail en poudre. Vous réduisez l'ail en poudre. Genre, vous pouvez l'écraser, ça n'a pas de souci. Après ça, vous ajoutez le sel de cuisine. Et après, vous pressez les citrons. Et vous commencez pas à vous toucher avec ça. Si vous avez des savons, vous pouvez mélanger le mélange avec le savon. Et ça peut faire savon de déblocage, savon de nettoyage. Si tu veux, tu peux, sans savon, tu peux mettre cette poudre dans ton eau de bain et tu te douches avec ça. C'est puissant. Tu dois apprendre à te purifier. Ça, c'est un secret puissant. C'est une recette puissante de nettoyage, de déblocage à haut niveau. Ceux qui veulent payer notre eau de purification, notre poudre de purification, de déblocage, notre savon de déblocage, vous pouvez nous contacter sur le plus 229 62 40 97 92. Plus 229 62 40 97 92. Faut expérimenter les astuces. Il y a des personnes qui peuvent pas prendre leurs mains pour fabriquer les recettes. Non, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire la recette et eux ils vont juste utiliser. Si toi tu prends ta main pour appliquer, pour fabriquer les recettes et ça marche pas, tu dois payer l'eau de purification. Ceux-là doivent payer l'eau de purification et utiliser. Ou bien si tu as un enfant, ou bien tu as quelqu'un, la personne peut te faire ça et toi tu vas juste utiliser. Alors mon frère, ma soeur, l'humanité, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nos papas, nos grands-papas, oui, nos ancêtres, Beyanzé, Kaba, c'est des rois et ils ont des secrets. Ils ont des secrets. Mon frère, ma soeur, l'humanité, réveillons-nous. 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 Va voir ton père. Dis, papa, je veux des recettes pour la purification. Ils vont te donner. Ils vont te donner. Ils vont te donner. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi pour quitter ces souffrances. Réveille-toi pour quitter cette difficulté. Tout dépend de toi. Je vous aime. Je vous adore. Contactez-nous sur le plus 229 62 40 97. Je vous aime. Je vous adore.